Peigner, c'est un verbe régulier. Du coup, on a je peigne, tu peignes. N'oublie surtout pas le S à la fin, même si on ne le prononce pas. Il, elle, on peigne. Nous peignons. Vous peignez. Il, elle, peigne. Et peut-être vous êtes en train de vous poser la question, d'accord, mais et par rapport au verbe peindre, pourquoi au pluriel ils ont la même conjugaison? Car le verbe peindre, c'est un verbe irrégulier, mais peigner, c'est un verbe régulier. Comment est-ce que je sais la différence entre les deux? Selon l'utilisation. Nous peignons un mur, nous peignons un tableau. Donc ici, peindre, il y a un rapport avec la peinture. On nous dit que peigner, c'est une action. Par exemple, je peigne les cheveux de mes enfants. Tu peignes les cheveux de ton fils avant qu'il parte à l'école. Il peigne des perruques. Nous, nous peignons les cheveux. N'oubliez pas que quand on parle de nous-mêmes, il faut ajouter le « se », donc un verbe réfléchi. Donc, je me peigne les cheveux. Tu te peignes avant de partir. Il se peigne tous les matins. Donc, pensez à ça parce qu'ici, c'est par rapport à la peinture. Ici, c'est par rapport à une action de peigner quelque chose. D'accord? Donc, irrégulier, régulier. Et oui, la conjugaison au pluriel, elle est identique, mais selon les contextes, on saura automatiquement s'il s'agit soit de l'un, soit de l'autre.